Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? Des patates pilées, des patates frites, des patates cheese, oui? Ben Uncle Tom, il y a un super patente pour toi qui aime beaucoup les patates. Le Willy Waller 2006. Le concept, c'est un petit peu un accident. Moi, j'étais un publicitaire de métier. J'ai terminé ma carrière, j'étais directeur de création chez Publicis à Montréal. Et puis j'en avais marre, comme vous dites, de faire de la pub. Puis je voulais une idée simple que je pouvais produire moi-même. J'ai toujours été fasciné par le stop-motion animation, comme les films là, Nightmare Before Christmas, Chicken Run, Wallace and Gromit. Alors j'avais commencé à faire du stop-motion animation. Et quand je me suis rendu compte, tout le temps que ça prenait à animer les yeux et la bouche, ben étant donné que je suis très paresseux, j'ai décidé de filmer mon visage et d'incruster mes yeux et ma bouche sur les poupées. Et pouf, Tête à claque est venu au monde. Le site a été lancé le 16 août 2006. J'ai envoyé 50 emails à des potes, des gens essentiellement en publicité ou dans les maisons de production que je connaissais à Montréal. Puis à peine 3-4 semaines plus tard, on avait 500 000 visiteurs uniques. Et ensuite, quand on est allé au mois de novembre, 2 mois plus tard, on avait 3,2 millions de visiteurs uniques. Ici, Commandant McCord de la Canadian Royal Air Force. Vous avez un atomic bomb caché dans une canne de jus de raisin et j'ai eu l'ordre de vous abattre. Oh, bonne minute, Commandant McCord. On se calme, on n'appuie pas sur aucun bouton. Je savais que je pouvais intéresser, me créer un petit bassin de fans particulier qui allait aimer ce genre de capsule, ce genre d'humour. Puis peut-être vendre l'espace publicitaire, peut-être intéresser éventuellement une compagnie de téléphone, que ça pourrait peut-être devenir un véhicule publicitaire pour une marque. Mais tout ça, c'est produit, mais x10, x20, ça a comme explosé. C'est très, très spontané. On a des thèmes. À un moment donné, c'est moi qui écris les textes. Quand j'ai une idée, ben, j'essaie de l'écrire d'un coup. Ça me prend 1 heure, 2 heures maximum. Puis là, j'ai un script. Et puis, une fois qu'on a le script, ben, on va filmer mon visage. Alors, je mets mon visage dans j'appelle ça ma guillotine. On s'est fait fabriquer un genre de carcan où je mets mon visage à l'intérieur pour fixer ma tête. Il ne faut pas que ma tête bouge. Et là, c'est un gros plan de mon visage, tout simplement. Et une fois que ça c'est terminé, Simon, il va isoler mes yeux, puis ma bouche, puis il va mettre ça sur la poupée. Puis la poupée, c'est très simple, c'est des photos. C'est tout des petits corps de plastine. On prend des têtes de poupées qu'on trouve un peu partout. Et on prend une photo. Ensuite, on découpe la poupée et on la met sur un fond. Si c'est une histoire qui se passe dans le désert, ben on achète une photo stock sur Internet. Si c'est une histoire qui se passe dans la cuisine, ben je prends une photo de ma cuisine, tout simplement, pour le fond. C'est toutes des photos. Le Willy Waller, ouais, c'est sa cuisine. C'est ma cuisine, c'est chez moi, le Willy Waller. Appelle tout de suite pour ce fantastic offer. Sors ton credit card, puis compose le number à l'écran. Là. Puis si t'appelles tout de suite, là, on va même t'en shipper une poignée de plus. En fait, le fait que ça soit un peu tout croche, puis que ça soit pas surécrit ou bien structuré comme un texte d'un humoriste professionnel avec le punch toujours au bon temps, ça donnait, j'ai l'impression, une certaine une certaine naïveté, puis c'est une certaine fraîcheur à tout ce truc-là. C'est très québécisé, la façon dont on utilise l'expression, en plus on exagère l'accent, puis c'est des histoires à la base très universelles qu'on peut adapter dans n'importe quelle langue, puis que ça devrait fonctionner. Peux-tu croire, on est à Paris? Ouais, on est à Paris, ouais. Hey, c'est beau, hein? Moi, je trouve ça tellement beau. Tu sens-tu comme tout est romantique ici? C'est tout comme tout. Ouh!